Yo, 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 la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Both Player et qui dit une nouvelle vidéo, dit une nouvelle mission, une nouvelle planète à découvrir. Une nouvelle planète à découvrir, les amis. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la planète Jedi Fallen Order. Alors, sans plus attendre, les amis, on se retrouve tout de suite après le générique pour découvrir cette magnifique aventure. C'est parti. Tu dois partir pour vivre ta vie, pour trouver ta destinée. Cal, attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Grise? Non, pas maintenant, j'ai du boulot. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Voici Bogano, un Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas?
Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Ouais, ça va. Mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Le sanctuaire dont Serré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici. Une suggestion? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne? Comment t'as su que ça marcherait? Hein? Tu savais pas? Attention là-bas! Ça a l'air dangereux. C'est pareil qu'à la décharge. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt, pour stocker vivres et matériel.
T'es plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. C'est étroit, mais ça devrait aller. Je dirais que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Je vais m'en remettre. Ah ! Un steam de soins ? Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Un coffre. Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Qu'est-ce que c'est, BD1?
C'est là qu'on doit aller. Je peux le sentir. C'est une carte des lieux qu'on a traversés. Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Tu vois quelque chose ? Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais, cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant, fais ton possible pour m'atteindre. Plus vite, plus d'intensité. Allez, rejoins-moi ici. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Tu peux me remontrer ce raccourci ? Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ?
tu peux pirater ça? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce Bograt, fallait oser. C'est parti! C'est pas encore fini. Ok, d'accord. T'aurais probablement gagné. Probablement. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va, BD ? Bien joué, qui que tu sois. Tu as brillamment passé mon épreuve. Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo. Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Tu sais, ça fait longtemps que... je suis tout seul. Je me cachais. Sans but précis. Isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Céré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Hé, hey, tu aimerais que je te présente quelques-uns de mes amis ? J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons.
Aide-moi! Ok, je vais voir ça. Merci, BD1. Que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Encore un scan? T'as trouvé quoi? Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Bien joué. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise. C'est quoi ça? Vire de mon canapé! Ouch! Descends de là! Allez, fiche le camp! Allez! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de Potoli? Non, pas vraiment. Oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Effaux. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez, attendez. Un holocron? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici Maître Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire.
Ok, pas de problème. Allons-y. Oui, mais l'Holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effets. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. Et maintenant, direction... J'imagine qu'on peut aller sur Datomir. Allez, on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force, appelées les Sœurs de la Nuit. Elles maniaient la Force? Quoi, comme les Jedi? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion et manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Ah, on approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous vous êtes régalé à regarder cet épisode comme moi je me suis régalé à le faire. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes sur la chaîne. Bon player et les amis, gardez la forme et surtout, on se tient au jus de pomme. Peace la famille.